Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec une joie encore plus immense que d'habitude, car on va parler du deuxième bilan lecture du manga Au Grand Air. Donc le manga Au Grand Air est un manga des éditions Nubi Nubi. La série est toujours en cours en France et au Japon. En France, le prochain tome, donc le tome 7, sortira en août. Et pour ce qui est de la série, nous sommes donc sur un manga dans le genre comédie et tranche de vie. La série tâche aussi aux 10 ans et plus. Pour le genre, il y a baston parce que apparemment il serait classé comme seinen. Pour moi, c'est plus un kodomo. Pour moi, seinen, je le redis, c'est plus un manga où il a la réflexion, où il a, voilà, où ça peut être un peu sombre et pas pour du dispute. Alors que là, on est sur quelque chose de dispute, donc j'ai plus tendance à me dire c'est simple, c'est sans prise de tête, c'est du tranche de vie, la comédie. Donc pour moi, c'est plus un kodomo. Après, tu fais ta sauce, tu te démerdes. Voilà. La série date de 2015 au Japon pour son premier tome. En France, nous avons eu le premier tome en mai 2018. Celui-ci est sorti, si je dis, il est sorti en novembre 2018 pour le tome 4. Et donc, pour ce qui est de la sortie du tome 6 de cette vidéo, il est sorti donc en mai 2019. Et donc, le prochain, comme je te l'ai dit, sortira en août. Pour ce qui est de la série, non, nous sommes avec le mangaka à fond. On attaque la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures. Et comme tu t'en doutes, la qualité des couvertures n'a pas changé au niveau de mon avis par rapport à mon premier bilan lecture. Car tout simplement, on est resté sur le même type d'esthétisme. Donc une magnifique illustration sur l'avant de la jaquette, les côtés de jaquette qui sont toujours identiques. C'est-à-dire que celui à l'arrière, on a la fameuse petite boussole Nord-Sud, Est-Ouest. Plus la jaquette sur le côté avant, on a toujours une petite illustration qui correspond un petit peu à l'illustration à l'avant. Et pour ce qui est de l'arrière, on a toujours la même chose, c'est-à-dire les petites banderoles, le résumé au milieu et une sublime illustration donc de mise à l'arrière, enfin sur toute la couverture de la jaquette. Donc ça, j'ai trouvé ça magnifique, je vais tout te montrer en image juste après. Pour ce qui est de qu'on enlève les couvertures, comme la dernière fois, on se retrouve toujours avec les petites aventures de Inuko. Je sais même pas son vrai nom en fait, Inu, tout simplement la jeune fille. Et à l'arrière, on a toujours des petites BD qui sont plutôt mignonnes, mais que je n'ai jamais pris le temps de lire, je dois t'avouer. Voilà, donc je te laisse avec la suite. Pour ce deuxième bilan lecture, je ne vais pas te donner mon avis sur la qualité du dessin vu que je l'ai déjà fait dans le premier bilan lecture et que personnellement je n'ai pas vu de différence entre le tome 1 ou le tome 6. Par contre, en second temps, mon avis sur le manga, il faut savoir que je continue absolument de l'adorer. D'ailleurs, sur Instagram, là le jour où je filme la vidéo, on est en fait le 1er juin, je l'ai posté ça hier ou avant-hier, je sais plus. J'avais mis une petite image justement de Au Grand Air en disant que c'était vraiment le giga coup de cœur du moment. Et en fait, je me suis fait les 3 bouquins, les 3 tomes dans les 2 derniers jours. En fait, jeudi, vendredi, vu que je suis partie pour moi au niveau de ces dates-là en week-end. Ouais, un jeudi et un vendredi. C'était une semaine fériée. Et bon, toujours est-il. En ce qui concerne cette série, donc je l'ai toujours autant adorée. On a toujours le côté comédie, le côté tranche de vie qui est très agréable, très fun et très mignon. On a, personnellement, je continue autant d'adorer les personnages. Ils sont toujours autant attachants, autant
divertissant, je sais pas si ça se dit divertifiant peut-être plutôt. Enfin bon, les personnages m'amusent toujours autant, j'adore autant lire leurs, leurs aventures. Ce que j'aime énormément, c'est que donc ce que j'avais peur en fait dans la premier bilan lecture, je l'ai pas évoqué parce que je voulais voir justement ce que pouvaient valoir ces 3 tomes qui étaient déjà disponibles en France. Enfin, à quelques jours près, hein, vu que la première vidéo bilan lecture est sortie en mai, le tome 6 est sorti en mai, donc je voulais vraiment attendre d'avoir lu jusqu'au tome 6 pour pouvoir en parler. Donc, ce dont j'avais énormément peur, c'est que par exemple, on nous parle de 5-6 campings maximum dans les 3 premiers volumes et qu'on reste sur ces campings-là pour les fois suivantes et donc on les revoit à chaque fois aller par exemple à 5 ou 6 lieux différents. Mais qu'on les voit par exemple au fil des saisons, alors que pas du tout, parce qu'en fait nos personnages cherchent toujours un nouveau lieu, un nouveau campement, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon, voilà, etc. On les a suivis donc même à fêter Noël, enfin le 24 et le 25 au camping. J'ai trouvé ça plutôt sympa et assez changeant de ce qu'on peut voir au niveau des autres mangas. Ce que j'aime aussi énormément, c'est que donc dans la première partie, on avait 3 voire 4 personnages vraiment qui faisaient partie du club de camping. Après, on en a rajouté 2 autres. Là, enfin, un autre plutôt, qui s'est plus ou moins accepté dans le groupe lors de la première bilan lecture. Là, on a encore un nouveau personnage qui n'était pas dans la première partie dans le groupe camping, enfin dans le club, et là qui est présent. Dans les 3 premiers volumes, on n'avait pas encore de professeur officiel. Là, ça y est, elles ont un professeur d'attitré pour leurs activités. Et ce que j'ai énormément adoré, et d'ailleurs j'ai envoyé un petit message à la personne concernée parce que ça m'a trop fait rire, c'est que dans la chaîne YouTube dont je t'ai parlé il y a peu sur ma chaîne, j'ai fait de la pub pour eux, qui est la chaîne de I'm Rodolphe, qui actuellement était en plein, enfin, et encore toujours en road trip pendant 80 jours au Japon. Lors d'un de ses vlogs, en fait, on voit un Tolly dans l'eau. Et là, dans le manga, on voit le même Tolly qui est dans l'eau et la jeune fille, justement, va voir le lever du soleil pour une journée bien spéciale, justement. Donc, elle va voir le lever du soleil sur la plage où il y a ce fameux Tolly. Et ça m'a fait rire de voir que je l'avais vu il y a très peu de temps en vidéo YouTube. Donc, j'ai vraiment apprécié ça, même si c'est pas volontaire. Au final, c'est 2 choses, de l'avoir vu sur une vidéo YouTube d'un collègue YouTubeur et qu'il y soit dans le manga. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que j'aime aussi, c'est que donc on continue d'avancer dans les saisons et au niveau du temps. Voilà, du laps de temps, on les a, je crois, rencontrés dans le premier volume vers septembre, octobre. Ouais, septembre, je crois. Et là, on a déjà passé donc Noël avec elle, le nouvel an. On continue un petit peu d'avancer dans le temps. Ce que j'ai aperçu au niveau de la couverture suivante, c'est qu'on devrait être vers janvier-février, je pense, au niveau du tome 7. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. On n'est pas... Parce que ce que j'avais peur aussi au tout début, c'est que vu qu'on voyait un manga de camping, etc., même si je voyais qu'au niveau des images, on voyait bien que les tenues des personnages étaient assez chaudes, ce que j'avais peur, c'est que par exemple, on nous les voit à chaque saison et chaque année. C'est-à-dire que par exemple, on aurait pu faire un manga avec juste la période de camping, donc on va dire par exemple de mai à septembre, et qu'on les retrouve chaque année de mai à septembre et qu'on ne sache pas vraiment ce qu'elles sont devenues entre-temps, alors que là, pas du tout. Ce qui est bien, c'est qu'on voit du coup tous les personnages grandir, évoluer au fur et à mesure, petit à petit. C'est très agréable, c'est très sympa. On découvre de nouveaux lieux, de nouvelles villes, de nouveaux restaurants, de nouvelles du coup recettes et alimentations. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la chaîne de Mystique, car j'ai aperçu, alors je n'ai jamais regardé la vidéo, je tiens à le dire, mais j'ai aperçu que Mystique avait fait une recette d'un des premiers volumes, je pense, de Au Grand Air, je pense que c'était un des 3 premiers tomes. Toujours est-il, je te mets aussi sa vidéo en i et en barre d'infos, parce que ça, à mon avis, ça mériterait d'être vu. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très sympa, j'adore toujours autant cette série, et pour moi, c'est carrément un giga coup de cœur. Oui, on est bien sur le dernier mot, le classement le plus haut que je puisse mettre, on est vraiment sur un giga coup de cœur sur ces 6 premiers tomes et j'ai qu'une hâte, c'est donc de lire les prochains volumes. Mais comme je te l'ai expliqué, la prochaine vidéo sur le tome 7, 8 et 9 ne sortira pas avant le mois d'avril, parce que justement moi par contre je vais rester sur les périodes de camping. Je trouve ça plus logique et je ne pense pas forcément que avoir une vidéo camping en plein mois de décembre ça vous intéresse vraiment, enfin de manga sur le camping. J'ai oublié de préciser, mais bien entendu dans ces 3 volumes, on continue d'avoir des conseils, des astuces et tout ça par rapport aux accessoires qu'il faut acheter ou non pour le camping. Savoir justement qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus rentable,
Qu'est-ce qui est peut-être plus adapté à ta façon de faire du camping? Parce que comme elles sont encore des enfants, il y en a qu'une ou deux, je crois, qui ont un deux roues. Donc forcément, c'est tout transporté soit sur leur dos, soit via des trains, soit il y en a une qui va en voiture, mais forcément, c'est limité. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est que ça permet de voir plusieurs choses, plusieurs façons différentes, etc., etc. Et donc j'ai trouvé quand même une fois de plus que ce manga était très intéressant à lire parce qu'on en ressort d'une petite détente. Un, on est détendu et de deux, on a appris des choses et ça c'est vraiment le combo que j'adore par-dessus. Ce deuxième bilan lecture du manga Au Grand Air est donc à présent terminé. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas de me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire justement quel est toi ton type de camping que tu as déjà fait, si tu as déjà été au camping, si tu es toile de tente, camping-car, caravane ou bungalow. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je te l'ai dit, et là, je te retrouverai qu'en avril pour te parler donc du tome 7 à 9 de la série. Sur ce, à bientôt!